Jeune fille, c'est Giro, comme Françoise, Giro Colette, et je suis mariée avec Monsieur Leclerc. Bon, je suis née le 2 janvier 31, 1931. Et vous êtes arrivée ici avec en 1940, vos parents? Avec, oui, j'étais jeune, j'avais 9 ans. Alors, je m'appelle Blanchard Corinne, donc je suis née à Saint-Denis en 1960. J'ai toujours habité à Stein. J'ai mes grands-parents qui sont arrivés ici à Stein en 1945, à la Cité Jardin. Donc Hélène, j'ai 27 ans et donc j'habite Cité Jardin depuis 2000, depuis octobre 2000. C'est la date à laquelle je suis arrivée en région parisienne en fait, ça a été tout de suite mon premier lieu d'habitation. C'est là que j'ai trouvé un logement. Je suis de 85 avenue de Stalingrad en 1948. Mon père est né en 1900. Ils ont dû arriver à Stein à la construction des bâtiments, puisque mon père et mon grand frère aîné ont construit les bâtiments en 24-25, quoi. Je m'appelle Mohamed Ben Nazar, j'ai 31 ans. Et puis donc je suis ici depuis l'été, la canicule de 1100, pardon. 1942. Là. Vous êtes arrivé ici à quel âge? Hein? À quel âge? 20 ans. Et j'en ai pas. Je vais sur 87 et 86. D'accord. Voilà. Et je connais tout le monde ici. Tout le monde? Ah, pas tous les voisins. Ah oui, mais ils sont normaux. Depuis le temps que je suis là, j'ai fait mon trou, comme on dit vulgairement. Alors je suis atterri à Stein, heureux. C'était heureux, c'est un château pour moi. Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, y a de la joie partout. Y a quels de sont la les souvenirs, enfin, comment c'était quand vous étiez... La Cité Jardin, oh, c'était magnifique. Bah alors, c'était magnifique. Il y avait des... Alors, comment je peux vous expliquer? Moi, je me rappelle de plus petite que j'étais. D'abord, la Cité Jardin, toutes les cours avaient des enseignes au bord. C'est-à-dire que ça faisait des grands piliers, et quand il y avait des morts, ça m'avait choqué, on mettait la grande tenture à l'entrée des cours. Vous voyez, quand on rentre dans les cours de la Cité Jardin, il y avait des grands piliers, avec un carré, on mettait les tentures et tout, bon, c'était comme ça. Il y avait plein de gosses, mais toutes les pelouses, c'était avec des rosiers, on avait des tilleuls, et les mémères, je m'en souviens, elles étaient petites, nous on jouait à la poupée et tout dans les cours, mais les mémères descendaient leurs chaises, et ça papotait dans le milieu des cours. Puis à 4 heures, on avait le goûter. Le gardien qui passait, il ne fallait pas mettre un papier par terre parce qu'il nous faisait ramasser. Hein. Puis les parents ne disaient rien. Après, place Marcel Pointet, je me souviens du square place Marcel Pointet où il y a l'abri. En dessous, il y avait un abri. Et il n'y avait pas le théâtre Pelé-Loire encore. Je me souviens que c'était un grand trou. On faisait le tour des caves en rigolant. Il y avait le lavoir derrière. Il y avait les douches où on allait prendre les douches. Et ma mère allait laver le linge, on reprenait les douches. C'était les mêmes pavillons, c'était plus propre. Les volets déjà, ils sont tous blancs. Avant, il y en avait une partie, par exemple, celle-là, elle était rouge, blanc avec un liseré rouge. Hein. Et puis l'autre plus loin, il était blanc avec un liseré vert. Mais on n'avait pas le droit de les blanchir. C'était la couleur de la cité. Hein. Bon, alors tout était comme ça. Bon, là, un exemple. Il y a des défenses de mettre du linge aux fenêtres. Interdit! Le gardien, il montait, mais les gens étaient habitués. Hein. Ça,
Moi, je dis que la cité jardin s'est dégradée du jour où il n'y a plus de gardienne ni de garde, ni de concierge. Parce qu'on était à l'approche, il y avait un problème avec un locataire, on était là, sur place. Tout de suite, le locataire qui mettait du linge aux fenêtres, on allait le voir, on discutait. « Oh, je m'en vais en vacances, ma fille de concierge, vous pouvez prendre mes clés, puis surveiller, m'arroser mes fleurs. » Il y avait toujours quelque chose. On encaissait les loyers, donc il y avait des décès, des mariages. Allez, on remettait un petit coup dans les escaliers, parce que c'était le mariage, on faisait les petites quêtes, il y avait un décès, c'était... C'était, on avait, moi, c'était moi qui avais le plus de locataires, vous n'avez qu'à voir les autres combien ils en avaient. Et au niveau des fêtes, des événements qu'il y avait à la Cité Jardin? Ah bah il y avait des manèges. Non, il n'y avait pas, on ne faisait pas des fêtes comme ça. Il y avait les manèges, d'accord. Des grands manèges qui venaient dans l'avenue, qui s'installaient dans la division Leclerc. Ici, il n'y a plus rien. Mais il y avait des fêtes dans le quartier. Ah, dans le temps, oui. Dans le temps, ils défilaient, là. Il y avait 160 musiciens qui défilaient, là. Et les mômes, ils avaient des chansons, comme on dit. Moi, je faisais, là, pour mes mômes, j'avais fait une barre avec un pilou lampion. Puis il y avait du monde qui défilait. Et les parents défilaient derrière. C'était plein de monde. Oui, oui. C'est là qu'on voit que ça change. Alors, oui, Stein vivait. Stature. Il y avait des fêtes, il y avait tout. On vivait, on se retrouvait, les gosses se retrouvaient. Stein vivait. Mais il y avait des balles, entre parenthèses. Ah. Oui, à la cité? Hein? À la cité? Mais oui. Où ça? Mais... Sur la place Pointée? Ah, déjà sur la place Pointée, il y avait du spectacle. Le dernier qui est venu, c'est Guichard. D'accord, chanté. Daniel Guichard? Ah oui, il a chanté là. Sur la place, hein? Parce que la place était remplie. Alors on avait une fête foraine tous les ans. Qui partait de ce qu'on appelait l'avenue de la Belle Allée, la rue de la Belle Allée, c'était, vous voyez où est la mairie, ça vous dit quelque chose la rue de la Belle Allée, ça partait de où il y a l'école des Bonnes Sœurs, là tout en haut, parce qu'avant il n'y avait pas la rue sur le côté, et ça descendait Maxime Gorki, et ça revenait Division Leclerc, il y avait une fête foraine qui prenait toutes les rues de Stein, pratiquement les grandes avenues, qui étaient suivies de la Rosière. S'il vous plaît. La Rosière, c'était la fille la plus méritante de Stein, une jeune qui était pure et fière. Et qui défilait. Non, c'était. Et c'était pour un petit peu de là, mais tout le monde venait de partout voir la Rosière à Stein. Comme c'était bourré de commerce à Stein, elle ressortait à la finale avec des cadeaux, la robe de mariée et tout. Et c'était une jeune fille, enfin, c'était une Stanoise, pure Stanoise. Il fallait qu'elle soit une méritante. Mais des vrais Stanois, il n'y en a plus beaucoup. Il y a quelques années, j'avais demandé combien qu'on reste de vrais Stanois qui sont nés à Stein et qui ont tous de parents Stanois. Quoi. On devait être 1028, je ne sais pas s'il en reste la moitié. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'école du Globe, on se connaissait, moi, dans mon escalier, il y avait des jeunes gens qui avaient, on s'avait grandi comme moi, et après, bon, c'était... et maintenant, tous les ans, ils viennent au café à côté de l'école du Globe, ils viennent manger tous ensemble, se retrouver. Ils n'habitent pas à Stein, il y en a peut-être. Mais... Et après, ils vont à l'école du Globe pour visiter, pour voir. Et moi, je les ai vus, mon neveu m'a téléphoné, il me dit, tiens, si tu veux voir tes anciens copains de la cour, ils sont là. Oh, ça fait marrant. Hein. Ah oui, des anciens.